Bonjour à tous, c'est Agnès qui vous parle. C'est moi qui ai fait la review du palais des nuages. Mais je vous ai promis de vous faire les personnages. Désolée, je ne l'ai pas fait parce qu'une petite fée s'appelait Hind. Elle me les a volés. C'est dommage. C'est pas grave. Bon, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai Lego Movie. Ce set est exclusivement sur... cette boîte, excusez-moi, le fond de la forme de cette boîte est exclusivement à ce set là. En français, vous pouvez le lire, moi je sais pas. En anglais, vous pouvez lire le nom. En français, c'est le. Le canapé à deux étages d'Emmett. Voilà. Donc, les personnages. L'arrière de la boîte. Attendez. Je vous présente une Kitty. Président business. Fantôme de Vitruvius. Et wow, en anglais, Ghost Vitruvius. Emmett. Je vais dire Bunny et à la fin Emmett. Bon, voilà. On va tourner la boîte. Comme vous pouvez le voir, des images ici. Ici, un film. Bien ici. Bien ici, j'ai oublié. Je crois pas. Bon, voilà. On va commencer. Là, j'ai aussi les mots. Je sais pas si là ou si c'est là. Voilà. Voici le canapé superposé. Moi je le dis canapé superposé parce que c'est plus court. Voilà. Voilà. Je vous présente le canapé superposé. Là. On va maintenant poser le canapé de ce côté. Et maintenant, on va poser la voiture de ce côté. Et on va commencer par le personnage. Le personnage est Vitruvius. Voilà, le fantôme de Vitruvius. Donc, tout ce qui est génial, c'est avoir Vitruvius dans un petit prix. Mais il s'en fout. Et qu'est-ce que... Dans le magasin, je l'ai trouvé pas grand chose, hein. Pas grand chose, et on aura plus de plus. Non, mais non, c'est normal, c'est 99. C'est 7. Parce qu'il y avait très plus, normalement. Non, mais quoi? Bon, on va commencer sur Vitruvius. C'est un fantôme. Avec du tissu pour sa cape. Sa baguette n'est pas comme le film. Même les autres Vitruvius, ils ont tout juste cette baguette comme ça. Donc c'est dommage qu'elle n'est pas au plastique comme ce, sur le film. Si on les fait. Je vais le démolir pour vous montrer. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a encore fantôme. Encore fantôme. Voilà. Avec sa bandana. Orange là pour entrer le corps, et ce qui me fait peur, ne voyez pas, c'est comme ça, comme si il était un diable. Il me fait peur. Donc je vais éteindre la lumière pour vous montrer qu'il s'illumine. Je ne sais pas si vous voyez qu'il s'illumine, mais dans la vraie vie il s'illumine. Il donne la lumière verte. Ça c'est bon. Vous ne voyez pas sur la caméra parce que c'est une caméra. C'est logique. Une robe. Normalement c'est pour femme ça. Une cape. Voilà. Maintenant on va y aller à Benny. Oups, j'ai oublié ça.
Là, on va à Bunny. Bunny n'est pas un personnage important. N'est pas un personnage important. Mais pas beaucoup. Moi, je l'aime. Me fait rire. Il a une saucisse chiante. Comme accessoire. Le casque des astronautes. Il vient des années 80. Plutôt juste la vie. Dans en palais de nuages. Dans le toutou. Il a deux têtes. Une qui est comme ça, content. Qu'il est vraiment content. Quand il dit vaisseau spatial, vaisseau spatial, vaisseau spatial. Et là, quand il dit le jour où le plan d'Emmett pour entrer dans la tour, il a dit, quand Vitruvius lui a expliqué, il lui a dit ça pouvait, ça, comme tu le veux, ça ne pouvait pas exploser. Le crabe est là avec la baisse de résistance, il a fait cette tête. Moi, je préfère quand. Il a des bombes de gaz. Il peut voler avec eux. Voilà, partons pour maintenant on va y aller à Nikiti. Nikiti qui s'assoit. Qui s'assoit. Donc elle a deux têtes elle aussi, mais séparément. Je vais vous montrer son autre tête. Excusez-moi, mais ça pourrait prendre du temps parce que je l'ai mis à l'intérieur dans sa fille. Voilà, triste. Il voit la télé, elle voit son palais de nuages détruit, elle pleure. Voilà. Là, elle pleure, là, elle n'a pas compris. Vote pour Elise. Maintenant, président business. Président business, c'est président business. Normal. Mais c'est le méchant de l'histoire. Normalement, aussi président business, il doit être 99. C'est un personnage important. Voilà. Il n'a rien. Il n'a aucune histoire. Il a deux têtes. Là, quand il dit à Emmett, tu veux que je t'arrache la main. Voilà. Maintenant, on va passer à Emmett. Je mets les petits canapés. Ça risque de prendre du temps. Voici Emmett. Donc, il y a un accessoire, mais je n'ai pas assez de force pour le mettre sur sa main. C'est un gaufre tournant. Voilà. Non. Il a deux têtes. Là, quand il dit, quand Vitruvius lui dit que la prophétie est une invention, il fait cette tête. On va aller à sa voiture. La voiture d'Emmett qui part au travail. Elle roule vraiment. Elle n'a pas beaucoup de pièces, mais la pièce en bas, elle était travaillée déjà. Voilà. On peut enlever le haut pour mettre notre personnage. Et aussi, ils nous ont donné par cadeau un casque. Mais le problème, quand on met le casque, la deuxième tête, on la voit. On va le mettre comme ça. Et il roule. Comme vous pouvez le voir, cette pièce est importante pour les voitures. Et à l'intérieur, il y a une radio, écrit radio. Et un volant. Et les portes s'ouvrent.
comme vous pouvez voir. On peut en mettre le haut. Si on veut pas, on veut pas, mais moi j'aime. On veut pas parce que on pourrait le faire une voiture de luxe. Voilà. Ça arrive pas. Il a deux lampes. Deux rétroviseurs. Maintenant, on va y aller au canapé superposé. Les canapés. Et le canapé contre canapé, vs canapé contre canapé, je dis canapé parce que j'ai un canapé superposé et je n'ai pas regardé. Essayez de dire ça, 5 fois. Le canapé superposé. Voilà, c'est le canapé. Et ça, c'est le canapé. On a des échelles plastiques. Il va monter comme ça. Il me frappe. Aïe. Prends ça. Aïe. Maintenant, on continue. Les échelles sont tombées. Ah, voilà. Les glaciers, le plus c'est tout ce qui me gêne. Donc, quand on a vu le film, il y a des glaciers en bas, mais il n'y a pas, ça s'ouvre même pas. Donc ça, ça me rend un peu comme le contraire du bonheur. Ouais, un peu. Je vais mettre maintenant les personnes. Bonjour à tous, c'est Anis qui vous parle. J'ai recommencé. Bon, on a mis les personnages dans le canapé. On a Bunny qui flotte. Intervus. La deuxième tête de Nikki. La voiture d'Emmett. Emmett qui voit le café et prise en business aussi. Voilà. Maintenant, on recule. On se retrouve à la prochaine vue de celui du vaisseau spatial. Au revoir.